Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible et traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et pour tous ceux qui travaillent au bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude, de l'angoisse. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cette parole de Dieu que nous venons d'entendre, il y a une formule que vous connaissez bien. Est-ce que vous l'avez repérée? Vous l'entendez tous les dimanches à la messe. Alors, laquelle? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit Jésus. Rappelez-vous, c'est dit après le Notre Père, par le prêtre. Est-ce que vous êtes déjà interrogé sur cette signification? Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il y a donc une différence entre la paix et ma paix, celle qui vient du Christ. Ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que le Christ ne parle pas de la paix à la manière du monde, telle que nous pourrions la percevoir, c'est-à-dire comme l'absence de guerre. Non, il nous parle d'une paix dans le sens de la communion. Rappelez-vous, le péché, c'est ne pas obéir à Dieu. Et donc, accepter finalement la paix, c'est d'accepter que vienne en nous ce don que Dieu va nous faire. Rappelez-vous ce que disait saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. La paix que le Christ vient nous donner, justement, c'est l'absence d'inquiétude. C'est ce repos fondamental que nous pouvons avoir, car nous sommes en confiance en lui. Rappelez-vous ce que disait le psalmiste au psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Oui, la paix du Christ, que le Christ nous donne, c'est d'accepter d'être comblé par la présence de Dieu, rempli de sa présence
rempli de son amour. Et donc, vous le voyez bien, c'est bien plus que l'absence de guerre. C'est un état que nous sommes invités à vivre depuis le jour de notre baptême, parce que nous avons été comblés par la présence de l'Esprit. Parce que le Christ, parce que Dieu a inscrit sur la paume de sa main le prénom, notre propre prénom. Et donc, si véritablement nous vivons dans la paix du Christ, nous n'avons rien à craindre. Aucune peur ne peut nous atteindre, parce que nous savons que Dieu est avec nous. Et nous savons pertinemment que Dieu veut notre bonheur. Alors, frères et sœurs, n'hésitons pas aujourd'hui à sauter dans les bras de Dieu, à nous abandonner véritablement dans ses bras, comme un petit bébé que porte sa maman. Ainsi, nous vivrons de la paix, de cette paix qu'il nous donne. Pour conclure, je vous invite à prier ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste une petite annonce, frères et sœurs. Vous savez que sur la paroisse, nous avons la chance d'avoir des veilleurs, c'est-à-dire des gens qui se mettent à votre écoute pour vous aider à prier et porter votre prière à Dieu, vos craintes, vos angoisses. Alors peut-être que vous êtes dans l'angoisse aujourd'hui, dans la crainte, et que vous souhaitez que quelqu'un prie pour vous. Donc n'hésitez pas à les contacter. Vous trouverez leur nom et leur numéro de téléphone, soit sur le site de la paroisse, soit sur le groupe WhatsApp. À demain !